Bonjour Michel Juvet. Bonjour. Nous arrivons au terme de l'année 2012 et on les voit, le débat sur les politiques menées par les banques centrales est toujours aussi vif. C'est vrai, mais il faut bien noter qu'en 2012, les banques centrales ont bien stabilisé le système. La Banque Centrale Européenne a réussi à abaisser les taux d'intérêt, en particulier pour l'Italie et l'Espagne. Aux États-Unis, la Banque Centrale a réussi à relancer la croissance du crédit. Mais on se rend bien compte que les États ont de la peine à se désendetter. Ils ont donc besoin de ces banques centrales pour créer des liquidités et avec de nouvelles idées, relancer la machine. Et on le voit à l'image de la Banque d'Angleterre qui innove dans le recrutement de son gouverneur. Absolument, et ce nouveau gouverneur sera canadien. Étonnant, une banque centrale d'Angleterre qui choisit un Canadien pour la gouverner. Imaginons que la Banque nationale suisse choisisse Jean-Claude Trichet comme gouverneur. Et si on revient sur des décisions plus fondamentales ? Plus fondamentalement, la situation est grave en Angleterre. Stagnation économique, désendettement non accompli, déficit budgétaire important et peut-être perte du rating AAA. La Banque d'Angleterre doit donc agir. Et récemment, elle a décidé qu'elle allait rendre le coupon qu'elle avait perçu sur les obligations du Trésor britannique qu'elle avait dans son portefeuille à l'État britannique. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'État britannique peut se financer à coût zéro, à taux d'intérêt zéro. Alors certains observateurs s'inquiètent de cette situation. Pourquoi est-ce aussi inquiétant? C'est inquiétant parce qu'on voit bien qu'on rompt ici l'indépendance de la Banque centrale et que l'État peut être tenté à tout moment de demander à sa Banque centrale de se financer à taux zéro. Et ça veut dire donc que l'État aura moins d'intérêt à essayer de diminuer son endettement et diminuer ses déficits budgétaires. On n'est vraiment pas très loin de la planche à billets. Si on regarde du côté des États-Unis, est-ce que l'Amérique va une nouvelle fois être innovante aussi? Ah oui, elle l'a été puisqu'elle a créé les fameux QE1, QE2, QE3. Mais là, elle a un programme qui s'appelle Twist qui arrive à échéance. Ce programme consistait à vendre les obligations du Trésor américain qu'elle avait dans son bilan, des obligations avec des échéances de court terme, pour aller acheter des obligations d'échéance de long terme, pour maintenir les taux d'intérêt le plus bas possible à long terme. Ce programme va s'arrêter parce que la Banque centrale américaine n'a plus d'obligations du Trésor américain de court terme. Elle va donc faire quoi? Elle va donc créer de la masse monétaire, créer des liquidités pour aller acheter des obligations du Trésor américain avec des échéances de long terme. Là aussi, on n'est vraiment pas très loin des enjeux de la planche à billets. Et si on regarde du côté de l'Asie, peut-on dire que le Japon est l'un des derniers pays résistants? Absolument, le Japon est en déflation depuis de nombreuses années. Mais là, ce week-end, nous aurons des élections. Et probablement que le prochain gouvernement, et il l'a signifié déjà en amont, qu'il allait demander à la Banque du Japon de créer de la monnaie pour créer cette fois-ci explicitement un taux d'inflation environ 2 à 3%. C'est nouveau au Japon et cela fera certainement baisser le yen. Et quelles seront les conséquences de toutes ces décisions sur les marchés? C'est plutôt positif pour les marchés puisque quand il y a beaucoup de liquidités à disposition et que les taux d'intérêt sont très bas, les investisseurs doivent bien placer leur argent et quand les taux sont aussi bas, on se dirige naturellement vers les choses les plus risquées, d'abord vers les actions et peut-être vers d'autres investissements encore plus risqués. Donc les marchés seront soutenus par ces politiques. Et concernant les devises? C'est plus complexe, puisque là, ces politiques monétaires, normalement, dans chacun des pays, devraient aboutir sur un affaissement de la monnaie. Mais on ne peut pas avoir, simultanément, dans l'ensemble des pays, une baisse de toutes les monnaies. On aura donc des monnaies qui vont alterner les unes après les autres, en fonction de l'évolution de ces banques, de ces politiques monétaires. Merci Michel Juvet. Merci.